I'm weird. I'm a weirdo. Au revoir. Pigeon? Pigeon? That's weird. Oh! Mais c'est pas possible en fait! Yo 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 yo, comment ça va? Est-ce que vous passez une très bonne soirée? Je l'espère! Alors, quelle nouvelle de la semaine? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Racontez-moi vos petites vies un petit peu. Ça passe, oui, incroyable. Bonjour la team. Eh bien oui, bonjour la team. Donc ce soir, quatrième live soirée PowerPoint. On est schlass, on est claqué. Moi, mon PowerPoint est explosé au sol parce que en fait, je n'ai fait que 3 slides. Voilà, on est dans un état de décomposition avancée, mais ça va, Macron est covidé, Macron est effectivement covidé, mais ce n'est pas un stream d'actualité. Ce soir, on va partir en soirée PowerPoint avec des invités exceptionnels que je vais vous présenter dans un instant, et sur le thème de la cuisine, voilà, voilà. Combien de chats sur ces 3 slides? Eh bien, un grand total de 0, figurez-vous. Du coup, sans plus tarder, on va rejoindre les petits choux. Bonsoir. Vous êtes en live. Hello. Alors, petite présentation rapide. Donc ce soir, nous sommes en live avec Gaëtan. Hey. Mais également Radek. Enchanté. Bonjour, je viens pour le poste. Et Vio. Salut. Voilà, voilà, donc sur le thème de la cuisine, ça va, ça s'est bien passé pour vous en termes de présentation, en termes de... Comment ça va? Alors écoutez, j'ai trouvé ça succinct mais néanmoins efficace. Comme quoi? Dans ta préparation de ton PowerPoint. Voilà. Ah. Ok Alexandre Astier. Bah moi je suis fin prêt. Ok. Et, le peuple doit savoir. Alors, juste avant le chat, j'aimerais qu'on n'en parle pas trop, mais je vais aborder le sujet avant pour éviter que ça devienne un problème. Je sais qu'il faut que je coupe ma frange, je sais qu'elle se barre et qu'on dirait un rideau. Regardez si je fais ça. Petite ouverture de rideau. Je sais, c'est un problème, j'en suis bien consciente, mais vous me pardonnerez, écoutez, c'est les vacances aujourd'hui, donc voilà, c'est comme ça. Ok, qui veut commencer ? Pour cette incroyable soirée PowerPoint. Vio, tu veux absolument commencer, absolument. D'accord. J'ai des trucs à faire après, en fait. Ah oui, ah pardon, très bien. Soirée chargée, PowerPoint à 20h, et après, c'est... Okay. Pas avoir le lien du stream pour que je puisse voir le PowerPoint, parce que là, je vois rien du tout. Oui, c'est normal, oui. C'est parce que Vio ne stream pas encore son PowerPoint. Ah, tout va bien. Okay. J'arrive. Tu me dis quand tu le fais. Oh là là, ta frange, Marie. Non, mais j'ai dit qu'on n'en parlait pas, justement. Enfin, les... Grave pénible le chat. Ce chat qui ne cesse de se dépeupler au fur et à mesure des semaines qui passent. Aurait-on épuisé tout le potentiel comique du PowerPoint? Je ne crois pas. Non. Est-ce que c'est bon là? Attends, une seconde. Je te refais un petit truc pour qu'on le voit bien, quoi. Hop, je vais le baisser. Voilà. C'est magnifique. C'est incroyable. Moi aussi, j'ai grave la dalle. Eh bien, écoute, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du Cronut. On va parler du Cronut en tant que phénomène culturel. Et on va parler notamment de l'héritage qu'il a laissé sur la culture américaine et notamment dans le paysage de la pâtisserie. Alors le Cronut, qu'est-ce que c'est? Qui est-il? D'où vient-il? Donc le cronut, c'est une pâtisserie hybride, un croisement entre le donut et le croissant, d'où son nom. C'est de la pâte de croissant et de la crème au beurre frite, comme un donut, dans de l'huile de pépins de raisin. Il a été créé en France par Dominique Ancel, donc un chef français, et a été commercialisé aux États-Unis le 10 mai 2013. Juste après, en fait, Grub Street, donc l'organe culinaire du New York Times, lui dédie un article, et c'est un succès fou. 3 jours plus tard, on a plus d'une centaine de personnes qui font la queue devant la pâtisserie. C'est un buzz médiatique, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de blogueurs, Instagram, Pinterest, etc. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'on va aborder aujourd'hui un thème extrêmement important. On va parler de l'hybridation des pâtisseries. Pourquoi est-ce que c'est important?
Le Cronut donc fut l'initiateur d'un mouvement relativement bref dans la pâtisserie amatrice et professionnelle, l'hybridation. Tout le monde a essayé de faire son propre Cronut, en fait, a essayé de reproduire le succès du Cronut. Et donc, je vais vous présenter d'abord quelques concurrents au Cronut. Alors, qu'est-ce que c'est ? Voici le Cruffin. Le Cruffin, c'est la contraction entre croissant et muffin. Vous commencez à comprendre à peu près comment ça marche. Elle est apparue en juillet 2013 dans une pâtisserie à Melbourne, en Australie. Et puis, elle fut commercialisée en novembre 2014, à la Mr. Holmes Baker House à San Francisco. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Je vous laisse un petit peu de temps, peut-être, pour essayer de trouver le nom de cette pâtisserie. J'ai pas trop le temps, parce qu'en plus, je vous entends pas, donc... C'est la convection entre waffle, donc gaufre, et donut. C'est de la pâte à gaufre, frite comme un donut et décorée comme un donut. Elle est apparue en avril 2014 à Chicago, une pâtisserie en fait qui s'appelait le Waffles Café, qui cherchait encore une fois à reproduire un succès tel que celui du Cronut. Donc on revient sur la question de l'hybridation des pâtisseries. Alors moi, vous me connaissez, je suis quelqu'un de scientifique, et donc j'ai essayé de faire dans un tableau de répertorier en fait tous les noms de pâtisseries hybrides qui existent. Et donc vous pouvez taper n'importe quel de ces noms sur Google et vous allez trouver une recette, un article qui lui est dédié. Donc voilà, ce sont les exemples que j'ai trouvés et j'ai regroupé sous les différents parents potentiels, donc le bagel, le bretzel, le brownie, le cookie, le croissant, le donut, le muffin, le scone et les gaufres. Donc on répertorie 24 hybridations existantes. Le braggle, le craggle, le bagnut, le muffgle, le kretzel, le brookie, le crownie, le brownut, le brofin, le croaky, le dookie, le couffin, le cronut, le croffin, le sconut, le scoffin, le muffles, le croiffle, le brofles, le machin. Ces hybridations, elles ont très souvent fait le buzz et ont le droit à des articles dédiés, ce qui enclenche davantage ce mécanisme et cette recherche de la prochaine pâtisserie hybride à la mode. Et je dis pâtisserie, mais ça ne s'est pas arrêté là. On a eu droit au burger, donc le burger dont les buns sont des donuts, ainsi que au merveilleux doofy, donut sushi. Je pense que ça s'illustre plutôt bien. Et donc, j'en suis venue à me poser la question. Comment est-ce qu'on en arrive là, en fait ? Comment est-ce que... il y a quelqu'un qui va se lever le matin et se dire « Ok, aujourd'hui, je vais faire une hybridation entre un bagel et un muffin, et je vais appeler ça un muffgle. » Et il y a des journaux qui vont reprendre ça et qui vont dire « Hey, vous avez envie de manger un muffgle ?»« Non, j'ai pas envie de manger un muffgle. » Et j'ai eu beau chercher, j'arrive pas à trouver en fait, de raison qui explique pourquoi est-ce que les gens ont eu envie de faire ça. J'arrive pas à trouver de raison logique qui marche pour expliquer du coup ce phénomène. Et du coup, je me suis tournée vers les sciences occultes. J'ai décidé de chercher le chemin de vie du Cronut. Donc le Cronut a été commercialisé le 10 mai 2013. Donc le 10 mai 2013, notre cher Dominique Ansel lance le Cronut dans la Ansel Bakery à New York. Donc pour trouver un chemin de vie, en fait, il faut additionner les différents chiffres que compose en fait, la date de naissance de quelqu'un ou quelque chose. Donc 1 plus 5 plus 2 plus 1 plus 3. Ça fait 12. Et donc, on va chercher encore à avoir en fait un seul chiffre. Et donc, on va additionner 1 et 2. Et 1 et 2, ça fait 3. Au tarot, le 3, c'est la troisième arcane, donc l'impératrice. L'impératrice, elle est symbole de l'intelligence et de la créativité. Elle est donc aussi synonyme de réussite. Donc, c'est un chemin de vie, en fait, qui est étonnamment approprié pour la destinée du Cronut. Et j'ai même lu sur des sites dédiés au tarot la phrase suivante. Elle symbolise par conséquent la puissance féconde des actions, des projets et de la matière. Et c'est particulièrement adéquat lorsqu'on pense à la réussite du Cronut et celle de Dominique Ansel. Mais dans mes recherches, je suis tombée sur des articles assez troublants, indiquant qu'en 2015, la Mr. Holmes Baker House à San Francisco a été cambriolée
et seule la recette du cruffin a été dérobée, et donc personne n'a touché au matériel de la boulangerie, ou même à l'argent dans la caisse. En 2016, le Waffle Café a fait faillite pour des raisons un peu floues, puisque le one-off, en fait, ça marchait très très bien. Donc la bonne fortune de Dominique Ansel et son chronote se confirme au point d'en devenir un peu inquiétante, voire même d'entraîner des comportements étranges de la part des mangeurs de chronotes. J'ai trouvé un article qui date de 2016, donc un article de Vice, titré « Des New Yorkais affamés du chronote ignorent un cadavre ». Donc en 2016, 3 ans après la commercialisation du chronote, les gens faisaient toujours la queue pour en acheter à 6h du matin, obnubilés par cette pâtisserie au point en fait, d'ignorer un cadavre à 40 mètres. Pardon. Donc il y a quelque chose de louche qui se trame derrière tout ça. Et j'ai alors décidé de pousser mes recherches plus loin sur l'origine du chronote maudit. Et j'ai découvert que le jour de la commercialisation du chronote, donc le 10 mai 2013, s'est produite une éclipse solaire annulaire. Et donc j'aimerais qu'on s'arrête en particulier sur le mot annulaire. Annulaire, donc ça fait référence à l'anneau de lumière qui se crée autour de la Lune quand elle passe devant le Soleil lors d'une éclipse. Et qu'est-ce qui est aussi en forme d'anneau ? Eh oui, le chronote ! Cette coïncidence troublante m'a poussée à faire davantage de recherches sur les éclipses solaires. Jusqu'à ce que je tombe sur un article qui explique que dans certaines cultures, on ne mange pas lors d'une éclipse, car cela empoisonne la nourriture. L'article décrivait le poison ainsi. Le poison est quelque chose qui vous retire de la conscience. Et c'est alors que j'ai compris. L'engouement pour les pâtisseries hybrides, ce n'est rien d'autre qu'une psychose collective. Les chronotes rendent les Américains malades et inconscients, littéralement. Et ils ont tenté du coup de reproduire cette ignominie contre nature qu'est le chronote. Hélas, aujourd'hui, il est impossible de mesurer l'impact qu'a le chronote sur la santé des Américains. Mais on sait tous que seul un peuple malade peut considérer le chronote comme peut considérer pardon Elon Musk comme intelligent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. C'est absolument c'est logique, incroyable. Hein. Le chat est en train et moi je suis en trou du cul. C'est vrai, c'est très grave. Voilà. Il est 20h, il est 20h12 et plus personne n'a faim. J'ai trouvé ça au moins enrichissant. Grave, ça fait peur, mais j'ai envie d'en manger du coup. Je veux goûter le chronote défendu. Moi, ça me dégoûte. Moi, c'est vraiment le douchi. Le douchi, c'est trop. Si vous avez des questions. Ah, je veux bien, ouais, je suis chaud pour les questions. Avez-vous des questions dans le chat ? Si quelqu'un a des questions. Parce que je pense que c'est. Ça dit clap. Vio a appris tout ça avec Internet et Google en fait. Donc, tout ce qui est présent là-dedans, vous pouvez le Google. Absolument. Ah, il y a une très très bonne question. On nous demande quel est ton hybride préféré parmi tous. Oh, le coup de l'éclipse, ça m'a mis à terre. Aucun mensonge en plus. Vraiment. Les recherches sont faites seules en fait. Le papier, c'est écrit. Vraiment, Vio, il y a quelqu'un. Tu peux parler à ton chat, mais nous on t'entend pas, t'es mieux sur Discord. Voilà, il était là le souci. En fait, je disais donc, déjà j'ai fait mes meilleures vannes, il est 20h12 et plus personne n'a faim, mais bref, c'est pas grave. Et je disais qu'il y a une question qui est bien, qui est quel est ton hybride préféré parmi tous ceux que tu as cités ? Alors, je dirais le bag nut, parce qu'en verlan c'est nut bag. D'accord. Excusez-moi, je me bats avec une vieweuse récalcitrant. Ok, d'autres questions, le chat. Je suis énervée d'avoir dû regarder Musk, oui, ben ça, voilà. Il y a quelqu'un qui nous dit que le douchi, ça ressemble à une catégorie porno. Je suis assez d'accord. C'est très vrai. J'hésite à ban quelqu'un de mon stream, vraiment. Ah, non. Non, je... Oui. Alors oui, Dominique Ansel ne sera jamais le bienvenu sur ce live, ça c'est évident. Jamais je le ferai, je vendrai pas mon arme aux corporations. Je pensais lui envoyer mon PowerPoint. Bien sûr. Je l'ai renommé Dominique Cancel, du coup. Je trouvais que c'était pas mal. Clem avait fait cette blague. Gros cerveau, Clem.
Ok, alors si le chat n'a plus de questions, non, maintenant c'est devenu une querelle personnelle du chat représentée par une seule vieweuse contre moi. Vraiment, tu fatigues, Léla. Du coup, si plus personne n'a de questions, est-ce qu'on passerait pas au PowerPoint suivant? Ouais, Qui veut se lancer? Comme vous voulez, au niveau de l'ordre. On vous entend encore sur le stream, bande de blaireaux! Je peux le faire si personne se dévoue. Moi je me dévoue. Écoute, je sais pas, le tien il a du texte ou pas? Parce que moi je peux faire une pause visuelle, qui sait? Moi j'ai j'ai beaucoup de texte, j'ai pas beaucoup de. Enfin, mes images sont pas ouf quoi. Donc si tu veux faire une pause visuelle, tu peux y aller. Écoute, on va faire ça. Vas-y. Vio, juste. Alors, deux trucs juste avant. Déjà, merci, j'aime Farod, je sais pas qui est Farod, pour ton follow. Voilà, ça c'est fait. J'espère que c'était pas un mec trop cœur. Des gens ils vont s'appeler James Zemmour et je vais dire ça, je peux pas. Sachez que ça ne sera pas dit en live. Premièrement, et deuxièmement, j'ai oublié ce qu'était le deuxièmement. Merde, j'aurais pas dû. Si, je sais. Vio, si tu dois partir, est-ce que si jamais c'est ta présentation qui gagne, qui remporte cette soirée PowerPoint, tu laisses à Clem le choix de. Mais on reste à écouter. Hein. Je garde le téléphone avec moi pendant qu'on marche en dehors. Ok, ok. Non, mais pas tout de suite. Oui, en enfreignant le confinement, oui. Le couvre-feu. Oui, bien sûr, le couvre-feu, tout à fait. Bien sûr, Béa. Très bien. Du coup, tu me streams ton PowerPoint Oui. Mon petit Gaëtan. Alors. Non, mais je sais que t'es pas le vrai, j'aime Farod. C'est simplement, je sais pas qui est Farod, c'est ça qui me fait. Je me doute bien qu'il n'y a pas un mec qui sait. Enfin, il pourrait y avoir un type qui s'appelle Farod sur mon live, hein, qui sait. Ok, alors, on est reparti. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, sur mon petit TED Talk personnel, je vais vous présenter les cuisines américaines modernes de riches des années 60 à 70. Alors, il faut savoir que cette sélection d'images, oui, parce que ce sont des images surtout visuelles, n'est pas du tout objectif. C'est-à-dire que j'ai uniquement choisi celles que je trouvais jolies. Donc, voilà, donc on va se poser et regarder ça. Et ça va juste être quelque chose, j'espère, qui va vous plaire. Donc, voilà. Donc, on commence tout de suite. Ça marche pas du tout. On commence tout de suite avec la première cuisine. Alors, c'est surtout des cuisines qui viennent des années 60, et comme vous pouvez le remarquer, c'est une cuisine vide, et c'est important de le remarquer parce qu'en fait, la pub de base, il y a des personnes dessus, mais très cringe, que j'ai décidé d'enlever pour vos beaux yeux. Donc maintenant, vous pouvez juste apprécier cette cuisine. Deuxième slide, on peut remarquer les différentes couleurs qu'il y a en cuisine. Donc on a ici le rouge, le jaune, le vert, et vous allez me dire, Gaëtan, il manque le bleu, et j'ai pensé à tout, bien évidemment, un peu de bleu sur cette slide, qui est visuellement, je trouve, très jolie. On peut apprécier quand même ces grandes lignes directives, qui étaient vraiment un point fort des cuisines de ces années-là, que je trouve quand même beaucoup plus belles que les cuisines modernes d'aujourd'hui. Enfin, personnellement, si un jour j'ai de l'argent, c'est ce genre de cuisine que je fais. On continue un peu sur du bleu, et toujours sur des formes très carrées, très directionnelles, je trouve ça magnifique. On a cette matériau là. Non, vous voyez pas ma souris peut-être. Bref. Ici, on peut voir aussi que dans ces cuisines-là, ils aimaient bien avoir un meuble central, comme une colonne un peu. Donc on peut le voir sur l'image de gauche avec notamment cette petite épicerie très mignonne, ou ce meuble de droite qui est littéralement ces espèces d'énormes murs Lego où tu peux accrocher ce que tu veux dessus. Voilà, ce que je trouve une super idée qu'on a perdu aussi aujourd'hui. Ici, un peu plus de cuisines qui sont toujours, toujours aussi belles. Voilà. Bon, à part les portes de placard, celles-ci qui sont vraiment moches. On continue un peu sur tout ce côté très carré, très moderne au final. Ici, on peut remarquer qu'il y a toujours un luminaire central aussi dans les visuels, qui est quand même très sympathique à la vue. Et là, on va partir sur des trucs qui ont l'air d'être un peu plus modernes, mais je tiens à vous diriger sur la photo de droite, sur le matériau de vitre transparent, qui est un matériau qu'on trouve plus du tout dans les cuisines modernes et que je trouve très dommage parce qu'ils arrivaient à faire des choses très belles, comme on peut convenir cette slide-là, qui est quelque chose quand même que, on est d'accord, jamais personne n'achètera, et pourtant ça rend trop bien. Donc là, on a une photo d'un vrai appartement à gauche, et à droite, c'est la publicité. Donc voilà.
Ici, c'est une cuisine qui a été faite pour... comment ça s'appelle ? Un avocat assez riche aux États-Unis. Et j'ai trouvé, alors vraiment perdu sur Internet, ce que je crois être le concept d'où ils se sont inspirés de cette cuisine. C'est peut-être quelque chose qui a été fait après, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, la ressemblance est assez troublante. Et on peut retrouver, bien évidemment, ces espèces de petits verres bullés qui permettent de voir un peu tous les effets personnels, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était aussi à l'époque de la société de consommation, enfin, un peu plus qu'aujourd'hui. Ici, je tenais quand même à surligner le fait qu'à l'époque, il y avait quand même des objets quand même assez stylés, comme ce four slash plaque de cuisson tout en un qui se plie. Donc voilà, c'est très joli. Et comme on ne le voit peut-être pas à droite, mais c'est cet énorme frigo qui ressemble pas trop à un frigo. Bon, bref, voilà. Ici, on a une représentation en publicité et une représentation dans la vraie vie avec un chat. Et je trouve bien évidemment que la représentation avec le chat est beaucoup plus vendeuse. C'est pour ça que si on était aujourd'hui, cette pub, je pense, serait la meilleure, avec notamment ce chat qui regarde cette dinde et qui dit « Miaums » parce qu'il a faim. Et voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé avec moi ces cuisines de riches américains des années 60-70. J'espère que vous avez trouvé ça joli, autant que moi je le trouve joli. Voilà. Alors, j'ai trouvé ça très très joli, déjà pour commencer. Et moi, j'ai quelques questions. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça ? Alors, je suis littéralement passionné de salons des années 70. Alors, quand j'ai entendu le mot cuisine, je me suis dit, c'est pas si loin que ça. Et donc, voilà. Mais je trouve réellement qu'il y avait des meilleures idées à l'époque. Enfin, je trouve réellement que leur vision du moderne, du riche, du beau est vraiment belle. Aujourd'hui, je suis moins attiré par ce qu'il y a de moderne. Et du coup, je trouve vraiment que, notamment les couleurs, il y a énormément de couleurs, il y a un jeu sur les lumières, sur tout, en fait. Je trouve vraiment que c'était classe. Ça pétait des culs. Donc voilà. Bah, c'est vrai que j'ai ce côté très stalinien de bien aimer le tout inox, tu vois, mais c'est une esthétique que je connaissais pas du tout. Pour le coup, les cuisines, autant les intérieurs, on en voit un peu partout, autant c'est vrai que les cuisines, c'est un peu plus spécifique, et c'est vrai que c'est pour le coup très intéressant. Et pourtant, les cuisines, vraiment, c'est ce qui se vendait le plus en termes de publicité, parce que c'était vraiment... Encore là, j'ai essayé de trouver des cuisines où il n'y avait pas que des meufs cringe dessus, parce que bien évidemment, toutes les pubs que tu trouves... Il y a que des meufs, tu sais, avec le même vêtement, avec le petit tablier qui font... Ouais. Avec le petit enfant qui est accoudé comme ça et qui fait « Maman, j'ai faim ». Enfin bref. Mais à part ça, ouais, ils vendaient beaucoup justement le fait que si t'avais une belle cuisine à l'époque, bah, c'est vraiment que t'avais réussi, tu vois. Si tu pouvais offrir à ta femme une belle cuisine, c'est quoi, ouais. Wow. Donc ils mettaient vraiment le style à donf dedans, quoi. Mais en même temps, c'est vraiment super intéressant ce que tu dis sur les couleurs, parce que c'est vrai que maintenant, on est vraiment parti sur effectivement de l'inox, du blanc, c'est moins chatoyant. Ouais, et d'ailleurs, ce qui est spécial, c'est que si j'avais eu le temps, j'aurais eu trop aimé recréer une de ces cuisines-là en 3D, et juste changer les matériaux pour mettre des matériaux modernes, et on se serait vite rendu compte qu'en fait, c'est des cuisines modernes. C'est juste les matériaux qui changent, les couleurs surtout. Ça me donne l'occasion de faire une excellente transition. Gaëtan est graphiste designer. Il crée des environs, notamment dans le milieu du jeu vidéo. Et il fait des choses absolument magnifiques. Je vous mets son ArtStation en lien dans le chat. Allez voir ce qu'il fait, parce que vraiment, ça vaut le détour, honnêtement. Hein. C'est toujours super chouette. Ah non, mais franchement, moi, un de mes préférés, c'est le truc Urbex que tu avais fait, là, le passage, la lumière est juste top, en fait. Et bah, si jamais il y a des gens qui cliquent sur ce lien, vous allez voir qu'il y a deux tableaux de Sid Mead, qui est quelqu'un qui faisait du futurisme dans les années 70, qu'on peut prendre comme rétro-futuriste aujourd'hui, et qui faisait des trucs magnifiques. Donc vraiment, regardez Sid Mead, S-Y-D-E-A-M-D. Sid Mead, non, ça s'écrit pas comme ça. Bref, regardez, ça se comprend. Et c'est vraiment, et c'est magnifique ce qu'il fait. Et c'est pareil, des trucs dans les années 70, et on retrouve beaucoup ces formes, enfin, ces grandes lignes et toutes ces couleurs. Mais oui, non, mais ouais, et puis on voit bien que t'as un truc avec cette époque-là, parce qu'effectivement, même si c'est censé être futuriste, on retrouve quand même les formes du design des années 60-70 dans son travail. Ouais, grave, grave, grave.
Enfin, bref, un gros beau gosse. Regardez les peintures de Sid Mead, quoi. Et c'est le mec d'ailleurs qui a fait les concepts pour Tron et encore mieux pour Blade Runner, celui de base. C'est lui qui a créé le monde. Donc voilà, plutôt un gros mec, quoi. Je vois. Ok, on va peut-être passer au PowerPoint suivant. C'était super, hein. Vraiment. C'était pas du tout curse, tout va bien. Pas de soucis. Puis après, le chronote, de toute façon, je pense que tu pouvais y aller. Hein. Bah, quel attends, enfer. Il était grave intéressant. Moi, j'étais outré du début à la fin. Quoi. Non, mais en vrai, le chat, vous le savez. Enfin, la plupart des gens le savent. Moi, je suis contre le concept d'américain dans une cuisine. C'est-à-dire que je trouve ça absolument révoltant que ces gens aient le droit de réaliser des recettes de cuisine, en fait. Je suis outrée au plus haut point. Je pense qu'ils ne devraient pas le faire. Parce qu'ils font toujours que de la merde. La dernière fois, je les ai vus foutre un sushi dans de la pâte à beignet et le faire frire. Enfin, vraiment, c'est hors de question, en fait. Et du coup, le PowerPoint sur le chronote, ça m'a un peu fait mal au cœur. Ouais, c'est Host Politique qui avait fait un tweet ce matin en disant « Tu regardes une vidéo cuisine américaine, c'est genre « Prenez du chocolat ». Faites une sauce caramel, t'es là genre, rajoutez de la chantilly, ok, c'est peut-être un peu beaucoup là. Après, ils sont là genre, oui, il enchaîne des mots, à la fin, ça se termine juste par cheddar. C'est ça. Mais je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo absolument incroyable, qui était une vidéo, je crois, de Nifty, où pour Thanksgiving, ils avaient mis un bloc de cheddar entier dans le cul d'une dinde. Et vraiment, moi, ça m'avait vraiment mal. Il y a une photo de ça ? Parce que j'aimerais bien la voir, je t'avouerais. Je t'enverrai la vidéo, c'est le truc le plus curse de la Terre, ça. Je vois pas le chat, mais je t'avouerai, moi j'espère qu'une seule chose, c'est qu'il demande cette photo aussi. Attendez, mais on va prendre 2 secondes pour vous la retrouver, on n'est pas du tout en retard. Vidéo d'Inde chez Dar. Je sais faire une recherche Google, hein, ne vous en faites pas. Toute la recherche Google, quoi. Vidéo d'Inde chez Dar Q. Je crois que c'était Nifty qui avait fait ça. C'est vraiment, ça m'avait mise, mais hors de moi. Ah là là, je la trouve plus. Vous savez quoi ? On va enchaîner. Moi, je vais la chercher de mon côté et on se la matera tous ensemble quand je l'aurai retrouvée. Parce que je l'ai déjà retrouvée une fois, donc je vais la retrouver une deuxième fois. Nice. Du coup, Radek, c'est ton tour. Ouais. Alors, c'est mieux de partager l'écran que l'application, c'est ça d'ailleurs ? Ouais. Ouais, ok. Hop. Hop, alors une seconde, on fait les petites vérifs. Oh, ça c'est magnifique. Merveilleux. Eh bien écoute, quand tu veux. Très bien, alors écoutez, bonjour à tous et bienvenue dans ce séminaire que j'ai intitulé Ressources étudiantines et modalités de sustentation, une analyse pratique. Donc je suis le professeur Radek Sobel, diplômé de l'INSPE de Paris. Je tiens à remercier Emojifeu de m'avoir invité. C'est vrai qu'avec les facs qui ferment, avec le distanciel, ça donnait une opportunité à mes étudiants de suivre le cours à distance et en même temps de participer à de la vulgarisation pour les masses, parce que finalement, l'éducation populaire, c'est vrai que c'est assez intéressant. Mes étudiants ont tendance à en parler un petit peu. Alors, je suis un peu moins porté sur l'image que mes camarades, parce que je suis un homme d'esprit, pas un homme d'image, hein, pas un homme d'art. Je suis vraiment plus porté sur tout ce qui est chose de l'esprit. Donc, je tiens à m'excuser tout de suite. Et ensuite, voilà, je sais que le titre, il peut en rebuter certains. C'est pour ça que je me suis permis de le renommer pour m'adapter un petit peu à mon public. Donc, ressources étudiantines et modalités de sustentation, une analyse pratique deviendra top 5 des pizzas 4 fromages surgelées à moins de 3 euros. Alors, pour commencer notre analyse, nous commencerons avec quelques définitions et quelques clarifications afin de bien délimiter le sujet. Déjà, avant de commencer, je tiens à vous préciser que quand on parle d'une pizza 4 fromages, ce n'est pas le nombre de fromages qui est vraiment important. En fait, c'est bien qu'il y en ait plusieurs, il faut qu'il y ait du fromage, il faut qu'il y ait plusieurs fromages, mais l'intérêt, en fait, ça vient du mélange entre les fromages pour créer une saveur assez unique. Alors, maintenant, vous me dites, bah oui, mais les pizzas surgelées, je veux bien, mais pourquoi le fromage ? Alors, déjà, pourquoi le fromage ? Très clairement, parce que, comme le disait De Vinci en 1501, c'est clairement la meilleure forme de pizza. Il était italien, donc il le sait mieux que moi. Hein. Je vous rappelle, il faut laisser la parole aux concernés de temps en temps. C'est aussi une pizza inclusive. Elle pose pas de, voilà, vous pouvez inviter vos amis de toute confession pour la manger. C'est végétarien. Ça ne pose problème
qu'aux personnes qui sont intolérantes au lactose ou au vegan, mais ce n'est pas très grave parce que si vous êtes du genre à manger des pizzas au fromage chez vous tout seul à moins de 3 euros, c'est probablement que vous n'êtes pas invité aux soirées de vos amis vegan. D'ailleurs, donc, on parle de pizza 4 fromages, je vous ai dit que ça posait un peu un problème cette histoire de nombre de fromages qu'on va utiliser dans la préparation. Je tiens à vous dire que le terme pizza 4 fromages, c'est un terme vernaculaire, c'est-à-dire vulgaire. Hein. Pour les gens comme vous, je vulgarise un petit peu. Dans le milieu universitaire, on préfère parler de pizza fromagère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pizza fromagère ? Alors, une pizza fromagère, c'est toute pizza. Justement, toute pizza composée de fromage n'est pas forcément une pizza fromagère. Comme je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait du fromage, mais l'intérêt, c'est l'alliance entre les fromages. Alors du coup, je tiens tout de suite à faire taire quelque chose que j'entends circuler parfois. Non, la pizza aux chèvres n'est pas une pizza fromagère. Déjà, c'est très bon, hein, je ne dis pas le contraire. Moi, j'apprécie les pizzas aux chèvres, mais ça rassemble pas assez les masses. Et surtout, le centre de la pizza aux chèvres, c'est pas le mélange de fromage, c'est le chèvre tout seul. Il est trop fort en goût. Et on remarque également que le chèvre ne fond pas aussi bien que les autres fromages. Il garde toujours sa forme de bûchette. Donc là-dedans, donc, dans tout ce qui est pizza aux chèvres, on inclut également la chèvre noix, la chèvre miel et ce genre de pizza. Donc ça, c'est pour la pizza aux chèvres, mais ça marche aussi pour d'autres types de pizza avec un fromage au centre, notamment... la pizza raclette ou la pizza tartiflette. Hein. D'ailleurs, la pizza tartiflette, elle est un petit peu moins inclusive puisqu'il y a des lardons. Moi, j'aime bien hein, tout ce qui est pizza à base de pommes de terre, mais on sort du sujet. Alors maintenant, la deuxième partie du sujet, c'est pourquoi, donc les pizzas surgelées et fromagères, très bien, mais pourquoi moins de 3 euros ? Vous pourriez me dire, bah oui, mais on peut mettre 3,50€, on peut mettre 4 euros. Alors, sachez déjà que si vous me dites ce genre de choses, c'est que vous êtes de droite. L'objectif de la pizza fromagère à moins de 3 euros, il est éthique. C'est-à-dire que c'est un aliment qui se consomme dans un objectif de survie. Le goût est important, mais le plus important, ça reste les ressources de base. Moins de 3 euros pour un repas, c'est assez réaliste quand on considère les repas étudiants. Et encore, ça reste assez luxueux. Alors, la pizza surgelée à 3 euros, c'est déjà un plat luxueux. N'en demandez pas trop aux étudiants. Ensuite, la deuxième raison, elle est d'ordre gustative, en fait. C'est-à-dire que si vous avez plus de 3 euros à mettre dans une pizza surgelée, vous avez de quoi acheter une pizza fraîche dans votre pizzeria locale. Hein. Une pizza surgelée à 6 euros, c'est débile. Une pizza artisanale, ça se trouve entre 8 et 11 euros. Je pense que voilà, c'est une raison qui suffit en soi. Hein. Vous trahissez l'esprit de la pizza surgelée. Quand je dis ça, je parle donc du coup de la première marque de pizza dont je vais parler dans ce PowerPoint. Je m'adresse très spécifiquement aux amateurs de la marque Buitoni. Cette bande de sacs à merde. S'il y en a parmi vous dans le chat, sortez, cassez-vous, laissez-nous entre gens bien. Désolé, mais alors, payer une pizza surgelée de luxe à 6,75€, moi, ça me rend dingue. Déjà, c'est pas bon, c'est de la merde. La pâte, elle est toute molle, elle est toute humide, la dégueulasse. Alors que tout le monde sait qu'une bonne pizza, ça croustille au moins un tout petit peu. Et surtout, ça se déshydrate. C'est-à-dire que quand vous cuisez une pizza, ça se cuit sur une pierre à pizza qui est censée absorber un petit peu l'humidité de la pâte à pain. Hein. Alors quand vous me sortez un truc tout mou, tout dégueulasse là et qui prend la moitié de la, enfin la moitié, non c'est de la merde, c'est de la merde, j'aime pas du tout. Ça c'est ce que j'avais à dire sur Buitoni. Buitoni, ça me révolte, n'en mangez pas. Pour repasser à un piège qu'on peut avoir quand on cherche des pizzas pas chères, il y a une marque aussi dont il faut se méfier, c'est la marque Ristorante. Alors, regardez-moi ça, là. Déjà, j'aimerais qu'on prenne 5 minutes pour admirer un petit peu le pack shot. Même en photo, le pack shot, hein, qui est censé être le plan qui met en évidence le produit, qui est censé donner envie au consommateur, il ne donne pas envie. Hein. Regardez là, vous voyez là, le cercle de la pizza, là, il est beaucoup trop industriel, il est beaucoup trop, enfin c'est assez immonde. Regardez, c'est quoi ça, ces espèces de petits crottins dégueulasses de bleu là. Enfin, j'aime bien le bleu, on en reviendra. Le bleu est une composante importante, le fromage bleu est une composante importante de la pizza fromagère. Mais là, c'est de la merde. Hein. C'est moche même en image. Alors, tout le monde sait que quand on mange une pizza surgelée, quand on est étudiant, une fois qu'elle est cuite, on la repose sur son carton.
parce que ça économise le lavage d'une assiette. Hein. Et la dernière fois que j'ai mangé une pizza ristorante, j'ai posé le carton sur la pizza et j'ai mangé le carton parce que c'était meilleur. Hein. La sauce tomate, elle est trop rouge, elle est bizarre, c'est assez industriel, c'est super stressant, et le fromage, il est bizarre. Il est vraiment bizarre, c'est pas très bon. Mais maintenant, on va passer à des choses un petit peu plus intéressantes. Donc, les vraies marques à conseiller et à partager, qui sont... Voilà, la gagnante premier prix, la Quattro Fromaggi de Carrefour. 1,94€. On est sur un prix absolument imbattable là-dessus. Hein. 8% de mozzarella, 6% d'edam, 6% d'emmental et 2,4% de gorgonzola AOP. AOP, on permet de le noter quand même. Base tomate, évidemment, parce que tous les gens qui mangent des pizzas à base de crème sont des sacs à merde, il faut les enfermer. Donc là, c'est là qu'on repart sur la partie bleue. Pour moi... Edam mozza, ça va, ça reste assez efficace pour le cadre d'une quatre fromages qui n'est pas chère. L'emmental aussi, ça fait toujours une bonne base. Et le gorgonzola, ça change tout. C'est-à-dire que ce qui vient apporter un petit peu de punch dans votre pizza, c'est le fromage bleu. Il faut qu'il y ait du fromage bleu. Alors attention, toutes les pizzas fromagères qui utilisent du fromage bleu ne sont pas bonnes. Mais toutes les bonnes pizzas fromagères ont du fromage bleu. Parlons-en. Donc c'est pas la meilleure, mais clairement pour 1,94€, vous avez tout ce qu'il faut. Ensuite, un petit cri du cœur. On va parler de la 4 fromages feu de bois de Casino, hein, évidemment, qui est une pizza qui était excellente, mais qui n'existe plus, qui n'est plus commercialisée. Alors, avant de parler un petit peu de ça, on va faire un petit peu le tour de l'historique de cette pizza. Déjà, 400 grammes de pizza. Une pizza surgelée, c'est rarement 400 grammes. Là, c'est énorme. Pour 2,95€, c'est vraiment incroyable. On est sur une teneur fromagère qui est beaucoup plus forte avec 7,5% d'edam, 7,5% de mozzarella, 6,5% d'emmental et encore une plus haute teneur en fromage bleu qui est celle du Roquefort à 3,7%. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Mais malheureusement, encore une fois, cette pizza n'est plus disponible malgré sa petite médaille récompensée par les consommateurs. Il ne faut pas la confondre, attention, avec la nouvelle pizza de la gamme Casino qui n'est vraiment pas terrible, voilà, qui est dans un emballage bleu et c'est pas ouf. Mais là, on va arriver au haut du panier, le grand haut du panier de la pizza fromagère, qui est donc la Carrefour bio. Et oui, vous allez me dire, oulala, ça sort l'élitisme, ça sort le bio, mais alors écoutez-moi un petit peu. 10% de mozzarella, on a franchi le cap des 10%. 10% d'emmental, 5,7% d'edam, qui est une bonne idée, parce que l'edam a une bonne texture, mais donc il est toujours intéressant dans une fromage, dans une fromagère, mais il n'a pas autant de goût que l'emmental, et là on est à 10% d'emmental, et là surtout, aux joies, on n'est pas sur du Roquefort, on est sur du Gorgonzola AOP, qui compose voilà, 5,7% de la pizza. Donc là, si vous comptez bien, on est sur 31,4% de fromage sur votre pizza surgelée. C'est énorme. Hein. Près d'un tiers de la pizza est composée de fromage. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. La pâte, elle est magique, incroyable. Elle cuit super bien au four. J'en ai pas parlé parce que j'avais peur de digresser, mais ce qui est important aussi dans la pizza fromagère, c'est le four. Hein. C'est-à-dire que comme on est sur un plat qui est pas cher, il faut qu'il fonctionne dans un four qui n'est pas cher. Hein. Donc, c'est-à-dire un four de taille moyenne. Vous le mettez dedans, même s'il n'est pas forcément à chaleur tournante, il faut que ça fasse le taf. Et là, le taf, il est fait. Et on est sur 2,80€, donc 5 centimes de moins que la pizza fromagère de chez Casino qui n'est plus en vente. Hein. Et ensuite, on a la composition exacte. Donc, contrairement aux autres pizzas qu'on avait avant, il n'y a pas d'additif bizarre. C'est de la pâte, de la sauce tomate et du fromage. Et c'est tout. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment exceptionnel. Voilà, donc je tiens à vous remercier, je tiens à remercier Carrefour Bio, envoyez-moi plein d'échantillons gratuits, je suis prêt à apporter un sandwich, voilà, je suis prêt à m'aider en homme sandwich représentant de votre marque, et pour les étudiants du coup qui me suivent et qui n'ont pas accès à leur environnement numérique de travail, je tiens à vous laisser du coup les modalités d'évaluation pour ce séminaire, donc la date buteur pour le rendu des dossiers c'est le 26 décembre, au passage j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël. Et donc, ce qu'il faudra faire, c'est un dossier de 10 pages, une revue détaillée d'une des marques citées. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Incroyable. Yay. Incroyable. Hop là, oui. Oh, mon Dieu. Attends. Ah Marie, on t'entend pas. Tu t'es coupée. Mon Dieu, mais tu t'es tellement chauffée, c'était incroyable. Ah, on voit plus ma caméra non plus. Il faut que le message... Les pourcentages me fument, hein, personnellement. C'est les pourcentages pour moi. Incroyable. C'est les vrais. Hein. C'est les vrais. Enfin, je suis à l'heure que je vous mens pas. On est sur de la vraie ressource, là. Mais du coup, la première, elle est
nul maintenant avec ces pourcentages à 3%. Là. Ah bah surtout, oui, ça va être très utile à toi. On est sur deux points moins cher. C'est vrai. Hein, Gaëtan, c'est très utile pour toi parce que c'est vraiment ton genre d'acheter une pizza surgelée. Ouais, t'as connu ça, toi. Ouais, je sais, Mac, une question, désolé, je prends la main sur les viewers. Hein. Et ma question, mais c'est comment tu aimes ta pizza? Est-ce que tu aimes ta pizza cuite bien ou est-ce que tu aimes ta pizza un peu brûlée? Alors, c'est une excellente question. C'est une excellente question. C'est comme pour le riz. C'est-à-dire que le riz, on vous met souvent un temps de cuisson qui est indiqué. Mais si tu veux bien le faire, en fait, ta pizza, il faut la surveiller un petit peu de temps en temps. Et en fait, quand le fromage commence à fondre, c'est que ta pizza est parfaite. Il faut qu'elle soit fondue, tu vois. Mais sinon, si elle est trop cramée, tu sèches trop la pâte. Il faut que ça croustille un peu, mais pas complètement. Ok, je vois. Écoute, c'est pas ce que j'aurais choisi comme réponse, mais personne n'est parfait. Oh là là! Non, mais on est libre d'avoir tort. On peut choisir la médiocrité. C'est aussi ça, la démocratie. C'est ça. Mais il y a aussi le choix de... T'oublies ta pizza. Et à un moment, tu acceptes que ta pizza est un peu cramée, tu vois. Et au final, tu la trouves bonne. Ah, mais là, c'est après, que en fait, toi, là, mon le détail pratique, et le détail pratique, c'est quelque chose que je respecte, évidemment. Voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, Butoni, là. Butoni. Butoni, de la merde. Putain, ils ont dû te faire du mal, hein, vraiment. C'est pas de l'acting, c'est vraiment affreux. C'est-à-dire que c'est même pas bon et c'est le plus cher. Non, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes qui nous regardent savent maintenant qu'il faut pas acheter des Butoni, hein. Est-ce que le chat a d'autres questions concernant les temps de cuisson, les pourcentages des différentes pizzas évoquées? Je suis désolée, vous êtes sur mon deuxième écran, le chat, c'est pour ça que je suis toute tordue pour vous regarder. Jean-François Copé de la pizza, me dit-on. On me dit quid de la pizza. Je ne sais pas ce que c'est qu'une pizza. Ça doit être une marque. C'est vrai que ma liste n'est pas exhaustive, j'ai pas encore testé tout ce qui existait, j'essaie de faire de mon mieux et je progresse tous les jours. Très bien. J'ai une question pour Radek par rapport aux pizzas Picard. C'est bourgeois et c'est plus de 3 euros. C'est vrai que c'est bourgeois. Hein. Ils ont, en vrai, la vérité, c'est qu'ils ont une chèvre noix miel qui est pas trop mal, mais on est sur du 4,12€ et 4,12€, pour moi, c'est pas acceptable. Tout à fait. Je vous propose, avant de passer à mon PowerPoint qui va être participatif, qu'on se regarde un petit coup de cette vidéo absolument atroce que j'ai donc fini par retrouver, qui est la base de ma pétition contre les États-Unis. Voilà, j'attaque Trump et l'entièreté des États-Unis en justice, et je reporterai cette attaque sur Biden, évidemment, parce que justice n'a pas été rendue. Tout de suite la vidéo, quoi, parce que je suis. Enfin, c'est pas possible en fait. Ah oui, la musique est incroyable. Musique épique. Voilà. Regardez ce qu'ils font. Un pot de sel! Trois pots de sucre! Mais on est où là en fait? C'est quoi votre excuse? Mais je vois pas, je suis triste. Je te la renverrai après. Il faut le laisser 48 heures. D'où tu laisses de la viande 48 heures sortie comme ça? Regardez-moi ça! Mais je suis horrifiée! Vous savez que c'est la sixième fois que je la vois, hein. Le cul! Le cheddar dans le cul! Le cheddar dans le cul! J'ai envie de mourir! Ah non, mais le beurre, mais c'est trop! C'est trop! Et voilà! Là, vous voyez ce qu'ils font? Ils mettent des Cheetos sur leur dinde! Mais c'est des malades, ces gens! Ça va pas du tout! Je vous jure, hein, un jour, ils ont cru qu'ils étaient la première puissance mondiale, et depuis, ils font que de la merde! Ah, en tant que Française, et je dis pas souvent parce que je suis pas patriote, hein, mais en tant que Française, je suis outrée. Et la musique me fume. Et allez, encore du sel, vas-y, on y va. 4 heures de cuisson, attention, c'est le moment de la vidéo. Oh, c'est ignoble, oh là là. Y'a rien qui va, ça me donne envie de mourir. Voilà, j'y peux plus,
Je ne peux tout simplement pas. Ah non, mais regardez ça, on dirait qu'ils se sont fait une fondue. C'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Moi, je... Mais je peux pas cautionner ça. Enfin, on est d'accord, il faut quand même faire quelque chose, là. C'est pas possible, en fait. C'est affreux, hein. Je comprends Pearl Harbor, maintenant. Non, mais franchement, c'est chaud de ouf. Le chat, vous en pensez quoi? C'est horrible, laissez-moi crever. Bah ouais, bah je suis d'accord avec vous. Mais je vous jure, on va faire une pétition, parce que c'est pas possible. Moi, je voudrais que cette vidéo, elle soit takedown d'Internet, hein. Honnêtement. Vraiment. Ouais. Voilà. Voilà, voilà. C'était la pire vidéo de la Terre, et c'est pour ça que les Américains n'ont pas le droit de foutre les pieds dans une cuisine. Ça et le Cronut, bien sûr, dont on a appris l'existence ce soir. Enfin, je savais que ça existait parce qu'ils vendent des cruffins au bout de ma rue. Et bah, je continue d'aller dans cette boulangerie parce qu'ils font les meilleurs cookies du coin. Mais franchement, c'est chaud quand même, les cruffins. Ok, on se fait un petit PowerPoint participatif qui n'est pas un PowerPoint parce que la vie m'a rattrapée. Donc, on va faire ensemble une tier list des membres de la cuisine Feu la cuisine, qui était une web radio. Qu'on avait monté, donc Radek en faisait partie d'ailleurs, avec des potes, et on avait fait 4 éditions, dont seulement 3 sont disponibles en replay. On se demande bien pourquoi et qui a les derniers replays. C'est moi, c'est totalement moi, et on les a jamais montés. Et régulièrement, avec Cordélia, on se dit qu'on le fera, mais on le fait pas. Donc on va se faire une petite tier list, mais on va pas classer les gens selon qu'ils sont sympas ou pas sympas, etc. Parce que ça n'a aucun intérêt. Non, on va classer les gens en fonction de leurs compétences culinaires et de leur approche de la cuisine. Donc je vous rappelle un petit peu qui sont les membres avant qu'on se lance. Donc nous avons évidemment Licarion, nous avons Pralinus, nous avons Radek, magnifique photo. Nous avons... T'as vraiment pris la pire photo de moi. Hein. J'ai pris la première que j'ai trouvée sur ton profil. Nous avons Cordélia, nous avons Mathieu, Sophie, Elixis, nous avons Noam, bien sûr, évidemment, qui est pas mal hein, dans la photo. Ali, Rose et évidemment moi, qui part avec un handicap, il faut bien le dire, car je ressemble à Sardoche et c'est un problème. Voilà, très rapidement, du coup, la cuisine, c'était ça, c'était des petits lives et des vidéos. Donc ça ne parlait absolument pas de cuisine, on avait appelé ça comme ça parce qu'on trouvait ça drôle de dire contre-soirée dans la cuisine en réponse à la nuit originale, parce que nous, on était un peu les Undertaker, les bad boys, et du coup, ça nous faisait marrer. On l'a acheté by maintenant, le truc qu'on avait dit qu'on n'utiliserait pas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de toute façon? L'original, j'ai vu il y a 2 jours, il croule sous les accusations d'agression sexuelle et trucs comme ça. C'est le... Non mais je te jure, le forum, hein, pas directement Airquat et tout, mais le forum, et apparemment c'était un truc hyper dark. Enfin bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc autant vous dire qu'une tier list des membres de la cuisine à l'heure actuelle, franchement, ça va. Alors... J'ai préparé mon petit truc pour faire ma petite tier list. Donc on va essentiellement se baser d'une part sur mon ressenti de ce qu'avaient apporté les uns et les autres aux différentes soirées cuisine, et d'autre part sur la présence de l'art culinaire sur les différents réseaux sociaux des uns et des autres. On commence tout de suite avec Ali. Alors Ali, c'est extrêmement décevant d'une part parce que je n'ai aucun souvenir qu'il ait... qui est de ce qu'il a ramené aux différentes soirées cuisine. Et puis, il ne m'a jamais fait à bouffer, parce que je ne suis jamais allée chez lui. Ali, si tu passes par là, je pense à toi, je t'embrasse mon pote, un jour je viendrai. Ali, donc, la seule chose qu'on retrouve sur son Instagram, c'est ce fameux pumpkin spice latte maison. La photo est pas top. Le mug est sympa. On note un petit mug Jeff Goldblum, quand même, qui donne un peu envie de le boire, mais la photo est pas tip-top. Bon, il a fait son pumpkin spice latte maison. Franchement, il s'est pas trop chauffé, mais ça va. Je propose de pas le mettre en D tiers, je propose qu'Ali, c'est un C tiers. Ensuite, on passe sur Cordélia. Alors, Cordélia, par contre, a une approche très différente de la bouffe. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vous ai un peu remis quelques petites pépites qui traînent sur son Instagram. Voilà, on peut également noter que Cordélia fait ses propres avocado toast, ce qui est toujours apprécié, puisque l'avocado toast est le plat numéro 1 du bobo, et j'assume cette étiquette à l'heure actuelle. Des gaufres, voilà, entre 4 livres, ponctuellement, on a droit à des petites photos de bouffe, une approche un peu sympa également du fait d'aller au resto, prendre un brunch, se faire des petits plaisirs culinaires, etc., etc., donc franchement...
Franchement, Cordélia, ça va. Moi, si vous êtes d'accord, je vais placer Cordélia en B tier. En A tier, pardon. Au moins la moyenne pour Jeff Goldblum, me dit-on. Ouais, non, mais je pense que c'est pas mal. À mon avis, ça suffit largement. C'est marrant parce que quand t'as parlé d'Ali et t'as dit qu'il t'a jamais fait à manger, j'allais te dire, ah si, moi, il m'a déjà fait du pumpkin spice latte. Et en fait... voilà. Et bien voilà. Donc, faut-il en conclure qu'Ali a une seule recette à son actif? Peut-être. Peut-être. Okay. Et dans ce cas-là, je pense que la notion de C tiers est largement suffisante. Ensuite, donc, on passe à Elixis, c'est macroscopie en ce moment sur son Twitter. Alors, j'ai trouvé très peu de choses en rapport avec la bouffe sur son Twitter. J'ai pas accès à son Insta parce qu'il est privé. Du coup, je vais pas vous le montrer, voilà, ça vous regarde pas. En revanche, sa photo de couverture Twitter, c'est directement « The only man you can trust is ramen ». Et je pense que ça, sans trop se poser de questions, ça vaut déjà un A tiers, voilà. Également, on note beaucoup de communication par rapport à la crise d'angoisse, etc. Mais ça se mange pas. Mais comme je savais que tu étais peut-être un peu stressée, voilà, ça a passé en S tiers parce que ça mange des hommes et c'est tout pipou, donc ça mérite largement. Ensuite, nous arrivons sur l'Icarion. Alors l'Icarion, sur lequel je n'ai pas spécifiquement de choses à dire sur la cuisine. Une fois, il m'a fait des avocats de toast, donc déjà, quoi qu'il se passe, ça c'est bêtière. Et ensuite, l'Icarion avait eu la gentillesse de faire pour un des teasers de la radio cuisine cette magnifique, en collaboration avec le docteur Pralinus, cette magnifique animation de Maïté, qu'on va se regarder ensemble évidemment. Bonjour à tout le monde, c'est Maïté. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment réaliser une bonne recette bien de chez nous. Une soirée radio réussie. Voilà, c'est hyper cringe de revoir ça aujourd'hui, hein, on se le dit. Belle chronique, de bien bonnes tables rondes, de succulents quiz. Voilà, on va peut-être pas la regarder en entier, mais ce que je voulais vous montrer par là, c'est que l'Icarion a quand même une approche de l'art culinaire et de la gastronomie, et qu'en même temps, il a su rester un homme simple et populaire, parce que sa référence, ça reste Maïté, et moi, je trouve ça extrêmement beau. Maïté, je l'adore, donc voilà. Ça va faire grimper l'Icarion d'un étage, et dans mon cœur, et dans le classement. Également, on note qu'après des années et des années d'attente, l'Icarion a enfin sorti son podcast sur les crevettes, crevettes qui se mangent. Voilà, donc simplement pour vous dire que là-dedans, on peut trouver également des petites appétences pour la chose culinaire. On va pas regarder le podcast sur les crevettes, par contre. Ensuite, nous avons Mathieu de Vivre Avec. Alors Mathieu de Vivre Avec qui communique très peu sur la bouffe et beaucoup sur ses lapins. Voilà. Sauf que c'est extrêmement trompeur parce qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il l'appelle les patates. Or, une patate, ça se mange, mais pas le lapin. Du coup, je suis face à un conundrum dont je ne sais pas m'extirper. Vis-à-vis de tout ça, parce qu'à chaque fois que je crois que c'est un petit tweet sympa sur je me suis fait des patates rissolées, et ben en fait non, c'est mes patates ont encore bouffé du carton. Et à chaque fois, je suis extrêmement déçue parce que ça n'a rien à voir avec la cuisine. Mathieu, quand même, qui remonte un tout petit peu dans mon estime car il fait pousser ses propres fraises. Il a beaucoup de plantes et il fait pousser des petits fruits comme ça, et donc il fait ses propres fraises. Et donc là, les fraisiers continuaient de donner début décembre, ce qui veut dire qu'il a la main verte, ce qui veut dire qu'éventuellement, il n'est pas forcément du côté gastronomie du truc, mais quand même, il y a un trait avec l'art culinaire, plutôt du côté ressources et début. Donc on va se dire que Mathieu, ça peut être un bon bétière. Voilà. On avance hein, dans notre classement. Ensuite, nous avons Noam. Chaque personne qui connaît Noam sait que tu seras toujours bien reçu chez Noam, que Noam ne te laissera jamais crever de faim et que tu seras toujours bien tranquille. Par exemple, une fois, je faisais une crise d'angoisse et Noam m'a directement proposé « Est-ce que tu veux qu'on fasse crêpes et jeux chez moi
dimanche, ce qui était extrêmement sympa de sa part, et on avait effectivement mangé des crêpes à cette occasion. C'était très sympathique. Voilà, donc je pense que Noam, ça peut être du à tiers. En plus, c'est sans chichi, c'est-à-dire que c'est jamais un truc de ouf, malade, du style « je t'ai fait une émulsion de butternut », mais si t'as la dalle, Nono, il va toujours te trouver un truc à becter, et ça, ça fait quand même bien plaisir. Ouais, il a quand même un excellent houmous, et une fois, il m'a fait des super falafels. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il a une approche du pois chiche qui est intéressante. On peut se dire ça. Pralinus, ensuite. Alors, Pralinus, pas grand-chose à dire, mais c'est l'un des seuls qui a un Instagram dédié uniquement à de la bouffe et de la bouffe qu'il fait. Regardez-moi ça, si c'est pas pas mal. Franchement. On est bien là ou quoi ? C'est tout végé. Parce qu'il est végétarien et il y en a des kilos et des kilos. Voilà, moi personnellement, ça me donne faim, donc je pense que ça, ça va partir en estière. Il fait tout lui-même, il se chauffe, il fait des trucs variés. On a des petits sushis, on a des tartes, on a du crumble, on a des quiches, enfin, il y a tout. Vraiment, je pense qu'il n'y a rien à redire là-dessus. Nous arrivons maintenant à Radek. Alors Radek, une approche de la nourriture que je n'ai pas su cerner personnellement, car en fait, je n'ai pas en mémoire la dernière fois que nous avons bouffé ensemble. C'était probablement chez Radek et on a dû bouffer, je pense, des chips et du houmous, à mon avis, comme avec beaucoup de gens de la cuisine. Cependant, je tiens à noter que hier soir, il s'est un peu chauffé et qu'il a fait lui-même sa propre bouteille d'huile pimentée pour offrir à un collègue. Et ça... Ça, vraiment, c'est du à tiers pour moi. Regardez-moi ça. Je vais pas donner. Ah merde. Attendez, excusez-moi, mais des restes d'huile, des piments séchés, de l'ail, du poivre, ça avait l'air pas mal. Alors, il y a eu des pets secs hein, qui sont venus dire des choses en dessous, du style Sophie, qui fait également partie de la cuisine, qui dit « Oublie ton idée d'huile pimentée. Merci Sophie, on t'embrasse et on te verra à ton moment dans la ranking list. » Alors, deux anecdotes quand même sur l'huile pimentée, bien sûr. Cuisine. Sache que j'ai déjà prononcé la phrase. Si je pouvais, je remplacerais toute nourriture du monde par des piqûres qui me donneraient tous les nutriments nécessaires pour m'épargner le fait de cuisiner. Et que si tu regardes la dernière commande que j'ai faite sur Amazon, il s'agit d'un lot de 20 soupes ramen épicées qui sont mes préférées parce que j'aime pas cuisiner. Très bien, alors on va te baisser un peu dans le classement suite à ces révélations. Ça, et on n'oublie pas le PowerPoint sur l'épisode au fromage quoi, aussi. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de bouffe préparée. C'est peut-être la goutte de trop qui te fait perdre une place dans le classement. Mais ça va. Franchement, ça va. Rose, ensuite. Rose, pareil, je ne me souviens pas avoir déjà mangé chez Rose, probablement une radio cuisine, mais comme chacun ramenait un peu ce qu'il avait. Je vous rappelle cette magnifique phrase qui me hante, hein, toujours, j'ai déjà dit au chat, le bonheur, c'est comme un déjeuner au soleil, chacun y trouve ce qu'il y apporte. On faisait ça à la radio cuisine. Je ne me souviens pas qu'on ait une fois bien bouffé, on devait bouffer que du houmous, à mon avis. Et non, Pralinus avait la gentillesse de faire des cakes, et ça, c'est quand même incroyable. Donc du coup, Rose, pas d'approche de la musique ni sur son Instagram, de la cuisine, ni sur son Instagram, ni sur son Twitter. En revanche, Rose a fait un album qui s'appelle Songs About Cooking and Stuff, Done in Contest or Not. Je ne sais pas ce que ça vaut, je n'ai pas écouté, donc je vous propose tout de suite de l'écouter. On va écouter ce morceau qui s'appelle Chocolate Popcorn. On va écouter un petit extrait, bien sûr. Je n'avais pas écouté. peut-être la suivante, peut-être. Ah, c'est mieux. Ah, c'est pas mal. Ok. Écoutez, la chat faut m'aider parce que je ne sais pas. On me propose Estière, c'est très popcorn, Estière. Allez, ça part en Estière. C'était... On se remet un petit coup de chocolat popcorn quand même. C'est tellement expérimental, ça me fume. Voilà, on arrive maintenant à Sophie.
Sophie qui ne fait pas la bouffe elle-même, non, Sophie a un blog où elle parle de ses restos préférés à Paris. Mais également, non, en vrai, si vous êtes intéressé par ça, allez le checker. Hein. Sophie, elle fait des trucs quali en termes d'écriture, de blog et de trucs comme ça, mais elle fait pas la cuisine, quoi. Également, des petites adresses pour bouffer vegan à Rennes. Ses idées de repas végétariens, voilà. Sauf que, franchement, elle se chauffe pas trop les fesses non plus. Sophie, je la connais plus faisant des photos au resto que me préparant des pâtes carbo. Donc, je pense que... En plus, elle s'est permis une critique de l'huile pimentée. Je pense que ça peut rester en bêtière, tout ça. Ah, c'est peut-être un peu... C'est un peu dur pour Ali, ça. Allez, c'est tiers, c'est pas mal. Et enfin, moi-même, alors moi qui suis donc premièrement désavantagée hein, du fait de ma ressemblance avec Sardoche, donc on l'a dit, donc je pars directement avec un handicap, donc quoi qu'il se passe, j'aurai un niveau de moins que mon niveau réel. Mais ça, c'est ma gueule, ça, j'y peux rien, c'est mon physique. Donc moi qui avais proposé les femmes à la cuisine lors d'une radio cuisine, voilà, je vous le remets là, ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de rapport avec la choucroute, mais ça n'a pas d'incidence quelconque. C'est simplement que je voulais vous le rappeler. Voilà. Alors, moi, c'est très mitigé parce que, soi-disant, il paraîtrait que je fais le meilleur guacamole du monde. Tous les gens qui ont goûté m'ont toujours dit qu'il était bon. Et Noam m'a dit « Je déteste les avocats parce qu'il n'est pas bobo. Cependant, j'aime beaucoup ton guacamole. » Voilà. Quand il était question de faire une petite sauterie pour inaugurer l'appart de pote, on m'avait dit « j'aimerais bien que tu fasses ton guacamole, etc. etc. » Donc mon guacamole aurait pu m'amener sur un bêtière, mais... J'ai juste une question. Est-ce que Alex approuve que c'est le meilleur guacamole qu'il ait mangé? Oui. Ou est-ce que c'est Alex? Oui, c'est Alex qui a approuvé ça, on est d'accord. Non, c'est tout le monde qui me l'a dit, mais même avant que je sorte avec Alex. Hein. Vraiment, on parle moi, de... Je les connaisse pas, moi c'est Alex mon... Ça fait vraiment 6 ans qu'on parle de mon guacamole. Hein. De plus, j'aimerais dire que je n'ai jamais laissé partir quelqu'un de chez moi sans lui avoir à minima proposé à manger et que je me chauffe toujours. Je fais un très bon chili vegan également, qui est mon to-go plat quand je vais voir des gens qui sont vegan. J'ai déjà fait des ramen vegan pour Ellie une fois où elle est venue, etc. etc. Cependant, mon point faible, c'est que quand je viens en soirée et que j'ai la flemme de faire mon guacamole, je n'apporte que 2 choses, et tout le monde le sait, du Coca Zéro et des chips Tyrells. Voilà. C'est vraiment les 2 trucs que j'apporte. J'ai rien d'autre dans mon sac. Hein. C'est vraiment ça. Je pense. Mais moi, en C, honnêtement, tu mérites large tombée. Hein. Bon, alors je vais passer. Je vais me laisser en bêtière. Bah, dans ce cas-là. Peut-être un peu plus, parce que je me souviens que tu ramenais des choses de chez tes parents et que je les mangeais. Et franchement. Oui, mais n'oubliez pas que je suis désavantagée parce que je ressemble à Sardoche, c'est vraiment important, hein. J'y tiens. Ma trademark est faite là-dessus. Écoutez, on va se laisser en bêtière. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous saurez maintenant avec quel membre de la cuisine vous devez aller bouffer. Ce port wine n'était pas une invitation. Ali me demande de le rappeler régulièrement parce que sinon ça crée des polémiques sur Twitter et nos 3 abonnés de la cuisine se battent en duel pour savoir si on va reprendre ou pas. Ce PowerPoint n'est pas un PowerPoint d'annonce d'une prochaine radio cuisine. Ça n'arrivera jamais, je pense. Et encore, je suis médisante parce que la semaine prochaine, on m'a proposé de participer à un live de Noël avec des gens de la cuisine, mais ce ne sera pas une radio cuisine. Voilà, c'est à présent terminé. J'espère que mon petit ranking des membres de la cuisine selon leur capacité à faire la bouffe vous aura plu, le chat. Des questions, des interrogations des envies de mourir. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un screen du ranking? Parce que depuis tout à l'heure, moi, je réagis aux réactions, mais je vois rien. Donc... Eh bien non, car je viens de fermer toutes les fenêtres. Ah bah... Super. Nice. Je suis désolée. C'était plus une private... To be honest, c'est normal que tu comprennes pas trop, c'est plus une private joke qu'autre chose pour le coup. Ouais, mais tu sais, j'aime bien tout ce qui est visuel. J'aurais vu un tableau, j'aurais été content, quoi, mais bon. Je veux Rose et Noam en S tiers. Ah, le chocolate popcorn, franchement, il m'a défoncé. Mais vraiment. Le cannabis. Mais de quoi vous parlez? Mais en fait, vous écoutez pas ma présentation.
Le couteau à pain, j'en peux plus. Je comprends pas. Je comprends pas. Quelqu'un a un lien du Discord. Mais quel Discord ? Y a pas de Discord. Vous étiez les serpents. Si j'avais des facultés en cuisine du slip, on aurait mis un malus à ailer parce que. Ouais, clairement. Clairement. Je proteste, les gaufres estières. Estières. Pourquoi vous me hâtez autant ? Ça donne faim, moi aussi j'ai la dalle. Hein. Non, franchement, mais allez checker tous les Insta et les trucs et les machins que j'ai partagés, hein, parce que on fait peut-être plus le truc sur la cuisine, mais c'est des gens talentueux qui font des trucs super et on s'adore, on est quand même toujours potes. Hein. Voilà. Même si. Non, Marie, tu vas pas dire cette phrase. Je veux un chronote. Et ben, je vais te ban tout bêtement. J'espère que tu le fais vraiment, hein, pour le coup. Non. Oh, non, bah non, c'est zéro personnalité. Voilà. Donc ces présentations sont désormais terminées. Alors comme d'habitude, mais succinctement, on va se faire un petit strapple. Voilà. Et j'attends vos suggestions de thèmes pour les prochaines soirées, le chat. Sachant que c'est le chat qui décide à chaque fois. Ouais. Moi, tu peux voter pour toi. Sachant que la prochaine soirée, ce sera pas vendredi prochain, parce que comme vous le voyez, là, j'ai proposé une tier list, ce qui veut dire que je suis vraiment claquée, parce que ça, c'est quand même le bas-fond de l'emmerdement. Donc, on fera pas ça la semaine prochaine, on fera pas ça la semaine d'après, on va se prendre deux petites semaines de pause, et peut-être si on a envie d'en refaire à la rentrée, si ça nous a pas manqué, on en refera. Voilà, on se dit ça. Moi, ça va me manquer. Hein. Oh, bichette. Allez, ça vote, s'il vous plaît. J'ai voté pour Gaëtan, j'ai trouvé ça très intéressant et assez rafraîchissant dans la forme. Oh, moi c'est... aussi. Mm-hmm. Je suis d'accord. Beau gosse, quoi. Par contre, moi, je peux pas voter, donc si pas tu peux pouvoir, voter. Où ? Comment ? Attends, moi, je vais sur le Twitch, il y a le lien dans le chat. Ouais, mais c'est pas grave, je vais te le mettre dans le général, comme ça tu l'auras. Hop là, voilà. Nice. Donc voilà, ça vote. Radek, il écrit des commentaires. Je peux pas voter sur mobile, je vous prie d'ajouter un vote à la pizza. Bah ouais, mais qui peut faire ça? Ah, je peux. Non, pas là. Pas celle-là. Je suis sur mobile. Moi, je peux cliquer. Hein. Voilà, j'ai invité un vote à la pizza. Le chat, des suggestions de thèmes. Ah, on me propose le futur. Non, le chronotisme, c'est refusé. Non, mais vraiment, par contre, tout ce qui tourne autour de la cuisine américaine... Vous voulez que je vous remonte la vidéo de la dinde? Parce qu'on peut faire ça, hein. On peut partir sur un stream de 10 heures de la vidéo de la dinde. Hein. Donc, on se calme tout de suite. Moi, je veux bien. Mais toi, t'es seul, non? Pardon, excusez-moi, c'est un peu violent. Non, mais la même chose, moi je l'ai pas vu la vidéo de la dinde, je suis sur Discord. Alors, les animaux anthropomorphes, le futur. Ah, il y a un thème, le cinéma c'est très bien. Il y a un thème qui est revenu souvent ces derniers temps, et enfin, ça fait deux fois qu'on passe à côté, je crois qu'on va devoir le mettre dans le pool des thèmes, c'est le JDR. Parce qu'ils ont demandé 800 fois, parce que le chat étant des habitués, ils savent que je déteste le JDR, donc je pense qu'ils veulent me mettre dans la sauce. Du coup, on va le mettre dans le pool. Donc, on va faire le JDR, le cinéma et le futur, c'est pas mal ça ? Hop, écoutez, on a 10 votes sur 11 viewers, je pense qu'on va rester là-dessus. Eh bien, c'est le chronote qui gagne. Un adversaire redoutable. Le chronote a gagné. Vio et Clem, si vous m'entendez. Ouais. Ouais, c'est le chronote. Vio, t'as gagné. Ouais, viens, t'as gagné. Vous voyez même pas au moins que j'ai gagné. Mais si. Oh, bah si, quand même, bichon. Merci. Du coup, Bio doit choisir le thème ? Alors, non, je lui donne trois thèmes, et tu en choisis, trois thèmes que le chat a donné, et tu en choisis un parmi ceux-là. Donc, les thèmes, c'est le futur, le cinéma et le JDR. Le futur. Le futur ? Ok.
Donc la, je suis là la prochaine fois, un point c'est tout. Oui, on veut voir les trucs rétro-futuristes là. Bah oui, mais c'est ça en fait, oui. Donc en principe, le chat la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, non, enfin je vous dis si, j'ai très envie d'en refaire, mais d'un autre côté là je suis vraiment fatiguée et c'était pas la soirée de trop ce soir, mais c'est bien qu'il n'y en ait pas la semaine prochaine. Du coup, la petite pause, elle est bien. Puis, okay, okay. Voilà. Est-ce que y a... c'est complet ou pas pour la semaine prochaine? Non, mais il n'y a pas la semaine prochaine. La prochaine fois, quoi. Pas encore, mais il y a une ou deux personnes qui voulaient avoir du temps pendant les vacances pour préparer. Du coup, je vais peut-être leur demander en prio, mais je reviens vers toi si tu veux après. Si, j'arrive pas à remplir. Bisous. Bah, salut. On va à notre soirée anti-Covid, donc bisous. Salut. Du coup, on va conclure ici. Je vais tranquillement dire au revoir au chat et je vous retrouve peut-être après pour un débrief. Ça marche. Alors le chat, j'espère que ça vous a plu. Voilà, donc je reste sur mon propos et mon principe. Je pense effectivement qu'une pause est bienvenue. D'autant que beaucoup le savent, j'ai beaucoup de chambardements ces derniers temps dans ma vie perso. Oh, mon dieu, ça y est, je suis Antoine Daniel Cor, je commence à raconter toute ma... Non, MV plutôt, bref. On s'en fout. Non, mais en vrai, voilà, les vacances, ça va être bien pour tout le monde. Par contre, je voulais vous dire que la semaine prochaine, j'ai envie de faire un live. Donc déjà, je suis invitée sur un live pour Noël, pour les gens qui sont... Pour faire de... Ah ! De l'entertainment à Noël, pour les gens qui sont peut-être seuls, etc. Et il y en aura plus que d'habitude du fait du Covid, parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas pouvoir aller voir leur famille. Il y en a d'autres, je sais. Il y en a d'autres qui ne pourront pas bouger. Donc, on m'a proposé ça. C'est Mathieu et Pralinus qui essayent d'organiser ça. Donc, j'essaierai de passer dessus. Je ne sais pas encore ce que je ferai. Ça n'a pas été décidé. Et par contre, j'avais envie de faire une soirée... pas une soirée, une après-midi sur de l'écriture. En fait, je voulais faire un truc autour des histoires de Noël. Voilà. Donc, peut-être que j'annoncerai ça la semaine prochaine. On verra. Je suis pas sûre. Ça va dépendre de pas mal de trucs et de mon état. Et si ça se passe bien. Et si j'ai la cause suffisante chez mes parents pour ça. Voilà, voilà. C'est affreux de se mettre comme ça. Hein. Je vois bien mon double menton. Je suis bien contente. Bon. Eh bien, je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir encore une fois suivi ce live. Vous êtes vraiment au top. Je vous embrasse. Salut !